Bienvenue à l'aéroport international JFK. Les passagers du vol 1607 à destination de Montréal ont prié de se présenter à la porte Concentre A. Les actes de Dieu. Tenez. Franchement, je suis mal. Allô? Allô, maman? Chloé, je suis tellement heureuse, mon cœur. Dis-moi que tu n'es pas loin. Je confirme, j'ai hâte de vous voir. Ton petit frère ne tient plus en place, il est fou de joie. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Ah. C'est bon, tout est prêt pour l'anniversaire de papa. Chérie, ton père ne sera pas là quand tu vas arriver à la maison. Pardon? Pourquoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? Il a encore dû aller travailler. Et tu lui as dit que je venais pour lui? Oui, chérie, je lui ai dit, mais ils l'ont appelé ce matin et... Quel est son vol? Celui de Londres. Le vol 256. Il était vraiment désolé, tu sais. Dis bien à mon frère qu'on dîne ensemble. Les passagers pour rejoindre pour son prix. Et bon voyage, merci. Merci. Moi aussi, je veux un autographe. Tenez. Oui. Ça ne doit pas être évident de jouer ce rôle. Chaque fois qu'il y a une nouvelle catastrophe, c'est vous qu'on voit aux informations. Vous connaissez sans doute le vieil adage. C'est un sale boulot, mais il faut que quelqu'un le fasse. Puis-je vous poser une question, Monsieur Williams? Bien sûr. Est-ce que vous lisez la Bible? Oui. Mais sans doute moins souvent que vous. Dans Matthieu 24, verset 7, il est dit qu'il y aura des famines, des maladies et des tremblements de terre en divers endroits. Les catastrophes naturelles, les guerres interminables, tout ça, ce sont des signes. Alors, Dieu savait que ces choses allaient bouleverser la planète? Dieu est au courant de toutes choses. Alors pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? C'est bien lui qui décide, pas vrai? Arrêter les inondations, c'est pas la fin du monde. Balancer un petit orage contre la famine, c'est... C'est un monde où tout s'effondre. Dieu l'a créé parfait, et nous l'avons détruit par le péché originel. Qui l'a détruit? Moi? Vous? Lui? Les voies du Seigneur sont... impénétrables, c'est ça? Ben voyons. Apparemment, beaucoup s'imaginent encore que le Seigneur les aime. Pour moi, il est là, le mystère. Excusez-moi. Début de l'embarquement pour le vol 209. Début d'embarquement. Bienvenue à l'aéroport international JFK. J'ai adoré votre intervention. Ouais, c'était un peu maladroit. Non, pas maladroit. C'est un point de vue intéressant. C'est la première fois que vous l'exprimez comme ça? Eh bien, en public, oui. Cameron Williams. Buck pour les intimes. Oh. Et moi, c'est Chloé Steele. Chloé pour les intimes. Vous êtes à l'université, à ce que je vois. Waouh! Le journalisme d'investigation aiguise la perspicacité. Je voulais juste vous remercier de m'avoir sorti des griffes de cette tigresse en délire. Ah, merci, maman. Elle aussi, c'est une obsédée de la religion. Ah ouais. Elle aussi, c'est une tigresse. Qui délire. C'est drôle, ce matin, je me suis amusée à fouiller dans une application de mon téléphone et j'ai cherché tous les synonymes du mot barjo. Barjo. Mm-hmm. Il est génial, ce mot. Barjo.
Je peux vous offrir un café? Non. Non, merci. Dommage. Là-bas, j'ai repéré des petites barquettes fantastiques. Remplies de gelée à la framboise. Oh, mais arrêtez. Wow, c'est tentant, j'avoue. C'est oui. Mais il faudra aller vite parce que j'attends un autre homme qui va arriver d'une minute à l'autre. Mon père. Je voulais lui faire une surprise pour son anniversaire, mais il a un empêchement. Alors... Mais tu veux voler ma casquette? Je vais prendre le fond de la tête. Ok, chérie. Allez, je te souhaite un bon vol. Ah, ma chérie. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis rentrée pour un anniversaire surprise, le tien. Chérie, j'ai un vol à assurer. Je ne l'ai su qu'à la dernière minute. C'est ce que maman m'a dit. Si seulement tu m'avais dit que tu venais. Mais vous... Vous êtes Cameron Williams? Où ça, alors? Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Non, on ne se connaît pas. Vraiment enchanté, commandant. Ouais. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Et, en tout cas... Ravi de vous avoir rencontré, Chloé. Je te trouve rayonnante. C'est gentil. On s'assoit. Alors, les études? Cool. Ça va. Quoi? Tu sais ce qui m'est venu à l'esprit quand maman m'a dit que tu ne serais pas à la maison? J'ai cru que tu étais partie. Non. Mais vraiment partie. On a fait ses petits bagages, démarré la voiture, filé vers l'horizon, sans un œil dans le rétro. Tout va bien entre ta mère et moi, Chloé. Oh, mais rassure-toi, je te ferai pas de reproches. Pas de reproches, pourquoi? Parce que tu pars. Mais ça n'est pas le cas, c'est ce que tu as cru, mais ça n'est pas le cas. C'est qui, cette fille? Pardon? Eh bien, l'hôtesse de l'air. La belle blonde qui riait comme une dinde. Mais, une hôtesse de l'air? Je bosse avec des douzaines d'hôtesses de l'air, je sais même pas comment elles s'appellent. Si on était il y a un an... Tu sais, avant que maman se noie dans toutes les bondieuseries, tu serais pas au boulot aujourd'hui. On serait ensemble, comme une famille normale. Chloé, ça tu le sais déjà. Quand j'ai épousé ta mère, nous étions tous les deux très jeunes. Et entre 20 et 50 ans, une personne ne cesse d'évoluer et peut changer parfois de façon radicale. Elle est tout simplement fidèle à sa ligne de conduite. Et à mon avis, tu devrais respecter ses choix. Moi? Et tu fais quoi, toi? Tu me fais la leçon alors que c'est toi qui nous quittes? Chloé, tu n'hésites pas à disparaître pendant des mois. Je fais des études. Et moi, j'ai un job. À chaque fois qu'on est seules toutes les deux, elle s'obstine à vouloir me convertir. Je sais. Écoute, je sais que cet engouement soudain nous a tous beaucoup pesés et perturbés, mais... C'est ta mère. Et je crois que ce serait une bonne chose si tu... Non, si tous les deux, on se montrait un peu plus compréhensifs. Elle doit te manquer. Oui. J'avoue. Mais tu sais, si elle doit me quitter pour un homme, autant que ce soit Jésus. Ton alliance, elle est où? Dans la voiture. Je ne la mets jamais quand je vole. Chloé, ta mère représente tout pour moi. Il n'est pas question que je la laisse tomber. Ok? Il faut que je fonce. On se voit quand je reviens. Je serai partie quand tu reviendras. Tu n'as pas l'intention de jouer les courants d'air pendant des mois, hein? Tiens. La voiture est à l'endroit habituel. Et sois cool avec ta mère, elle va se reprendre. Je t'aime. Appel téléphonique pour Monsieur Whitlow. Merci de décrocher l'appareil de courtoisie le plus proche. Monsieur Whitlow, merci de décrocher le téléphone de courtoisie le plus proche. Ça va? Oui. Oui, ça va. Excusez-nous. Du calme, les garçons. Désolé. Le journaliste d'investigation, ça vous revient? Je viens là. Ouais.
Les passagers du vol 1607 à destination de Montréal sont priés de se présenter à la porte 11A. Alors ? Disons que je suis un peu déçue. Ouais, déçue. La famille, ça compte pour moi. J'aime quand on se retrouve dans une ambiance chaleureuse. Je suis sûr qu'il serait resté s'il avait pu. Alors là, le faucon, enfin, c'était peut-être un vrai, monte dans l'avion et balance deux lapins morts sur le sol. Et là, l'hôtesse de l'air lui dit, « Désolé, monsieur, vous n'avez droit qu'un seul bagage. » Très franchement, commandant, ça ne me fait pas rire. A-t-il a l'air d'apprécier ? Si vous avez d'autres blagues de ce genre, je suis très bon public. Salut Marcus, alors ça y est, on n'a plus de problème d'ordinateur ? Non, négatif. Apparemment, certains éléments du poste de pilotage sont dépassés aujourd'hui. Moi aussi, je suis dépassé aujourd'hui. Dans 6 heures, j'aurai 9 heures de plus au compteur. Ouais, je sais, c'est l'horreur, les décalages horaires. Allez, bon anniversaire, noble vieillard, et bon vol. Merci. Bienvenue à l'aéroport international du JFK. À vous entendre, votre mère n'a que des prières à la bouche. Oui, on se nourrit de ce qu'on peut. Franchement, quand elle regarde les nouvelles et qu'il y a une catastrophe, elle s'acharne à vouloir me convaincre que c'est un bon signe. J'avoue que pour moi, c'est délirant. Au lendemain du tsunami, j'ai rencontré une certaine Medina. La vague avait emporté 3 de ses 4 enfants, sous ses yeux, sans qu'elle puisse rien faire. Elle a lutté, agrippée à un arbre, avec un bébé de 6 mois dans les bras. Elle était sûre que Dieu, son Dieu, l'avait sauvée, elle et le bébé. Et elle a prié pour le remercier. C'est ça, la foi. Elle l'a remercié d'avoir laissé mourir les autres. Elle n'en a pas eu le temps. Les habitants ont été évacués. Elle, elle a refusé de partir. Elle était persuadée que Dieu veillait sur elle. Et ? Glissement de terrain. Le village tout entier a été recouvert par la boue. Je comprends mal qu'on accepte de telles horreurs en gardant la foi. Quand on s'interroge vraiment, on pénètre souvent au cœur du mystère. L'important, c'est d'entrouvrir les portes de la connaissance. C'est la voix du cœur. Et peut-être de la vérité. Parlons un peu de vous. Qu'avez-vous vu dans ce village ? J'ai vu des gens démunis et sans ressources, qui n'avaient plus rien, rien que leurs yeux pour pleurer. Avez-vous cherché un pourquoi ? Je connais le pourquoi. C'est le tsunami. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Franchement, non. Non, j'ai rien cherché. Si je m'obstinais à trouver une raison pour expliquer des choses aussi horribles, je finirais par harceler des étrangers dans un aéroport. C'est votre rire qui est divin. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je repensais à la blague de Ray, trop drôle. Je trouve qu'il a un humour décapant. Ray ? Tu veux parler du commandant Steele ? Uniquement en présence d'autres personnes. Oh, vraiment ? Alors vous deux, vous êtes... En fait... Non, pas encore. Mais nous avons prévu de nous offrir une petite parenthèse à Londres. C'est génial. Pourquoi tu m'as rien dit ? Hé, hey, mais où tu vas comme ça ? Et je veux en savoir plus ! Ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Merci. Je vous appelle dès que j'arrive à Londres. Monsieur Williams, il faut que vous embarquiez. J'ai pas le choix si je veux que vous pensiez un peu à moi. Oui, oui. Vous devez avoir une fille dans chaque aéroport. Vous les rappelez toutes ? Je n'en rappelle jamais aucune. Chloé ! Ah, salut Jim. J'ai des billets pour ton père. C'est pour demain soir. Youtou ! Waouh ! T'as dû te battre pour les avoir. Sans rire, j'ai eu du mal. J'ai mis 2 semaines à les dénicher. 2 semaines ? Chloé, je suis désolé. Le
Monsieur Williams, je vous en prie. Oui, j'arrive juste un petit instant. Chloé. Merci de donner ça à mon père. Entendu. Chloé. Excusez-moi. Tenez, voilà. Merci. Monsieur Williams, s'il vous plaît. Désolé. Excusez-moi, commandant. C'est de la part de Chloé. Oh, mais vous êtes le gars de GWN, je me trompe? Oui, c'est bien moi. Et je m'appelle... Cameron Williams, Chris Smith. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Bienvenue à bord du vol 257 de la Pancone à destination de Londres. La durée du vol sera de 6h30. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Alors, t'as son numéro? C'est bon. Il y a une heure, je t'ai vu parler à cette fille dans le hall. T'es presque arrivé en retard dans l'avion, pas vrai? C'est exact. Et dire que j'aurais pu la passer avec vous cette heure-là. C'est toujours vous, les vedettes de télé, qui tombez, les filles. Peut-être parce qu'on ne se balade pas en survêt comme dans une série pour ados. D'accord, j'accepte. Juste pour te remercier de causer un black en première classe. Ah, celui qui devrait me remercier, c'est celui qui est assis en classe touriste et qui a échappé à ton voisinage. Hey, faut mettre la ceinture, bonhomme. Il est tombé. Attends, on va le ramasser. Oh, mais je vous connais, vous. Regarde, George, c'est Frank Sinatra. Tu dis quoi? C'est Frank. Oh, tu as vu, George? On est arrivé. Non, pas du tout, chérie, tu te trompes. Parfois, il perd un peu la tête. Bonjour à tous, ici Rayford Steele, commandant de bord du vol Pancone 257. Les conditions météorologiques sont excellentes. Notre voyage sera donc très agréable jusqu'à Londres. Notre décollage est imminent. Merci d'avoir choisi la Pancone. Installez-vous confortablement. Des boissons vous seront servies gracieusement dans quelques instants. Non, Johnny, tu n'as pas besoin d'insister là-dessus. Au contraire, fais-les mariner, tu sais y faire, vieux, mais... si tu sens qu'il se doute de quelque chose au sujet de l'offre de rachat... abandonne. Vous êtes prié d'éteindre vos téléphones et John, appareils électroniques. J'ai laissé notre avion privé à Houston. Je serai à Londres avec les papiers signés bien avant qu'ils s'aperçoivent de mon absence. Ouais, c'est ça. Vous êtes on fait comme on a dit. Vos téléphones et appareils Pancone 257, vous êtes autorisé au décollage. Viens ici,
Tu vas juste patienter quelques secondes. Allez, regarde dans ce sac et trouve ton bonheur. Oh, un nouveau gant de baseball, justement celui dont je rêvais. Trop classe. Maman, Chloé est arrivée. Maman, Chloé est là. Elle est là, maman. Chérie. Maman. Oh, tu es magnifique. Oh, tu es resplendissante. Oh, waouh. Alors, je te sers quelque chose à boire. Oui. Maman, oui, Chloé m'a apporté un super gant de baseball. Cool, hein? Jusqu'à Londres, ça nous fera rigoler bientôt. L'hyperjet, voilà ce qui va tout changer. Ah oui, vous tenez ça d'où? Du ministère de la Défense. Comment ça, le ministère de la Défense? Ouais. Il semblerait qu'il développe un nouveau jet, d'accord? Il transportera 300 passagers à Mach 40, New York-Londres, en 6 minutes. 6 minutes? 6 minutes. C'est plus que rapide. À mon avis, c'est un mensonge. Excellente analyse. Ah ouais, il est impossible qu'ils aient développé ça eux-mêmes. J'imagine qu'ils ont emprunté ça à l'aérospatiale. Vous savez, les recherches secrètes sur les ovnis. Ouais. Scotch, s'il vous plaît. Alors, quand il t'a vu, ton père a dû être surpris. Oui, il avait l'air, en tout cas. Il a dû être très touché. J'ai bien senti que ça le contrariait d'être sur ce vol. Oui, c'est ce que j'ai vu. Tu as fait bon voyage? Plutôt, oui. Oui, excellent. Tes études? Ça va, oui. Oh, tu devineras jamais qui j'ai rencontré à l'aéroport. Buck Williams. Oh, plutôt Cameron Williams. Le type des infos? Oui. En chair et en os? Oh, est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler? Oui, j'en ai eu l'occasion. Et c'est... C'est un gars intéressant. Et puis, évidemment, il est très beau. Je lui ai dit que t'étais fan. Oh. Mmh. Oui. Oh, et puis, tu sais quoi? J'ai vu que t'étais pas la seule à penser que chaque tremblement de terre peut annoncer la fin du monde. Une folle furieuse a carrément apostrophé Buck et... Ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, quoi qu'il en soit... C'est un chic type. Ma chérie, je suis désolée. Je ne cherche pas à t'imposer quoi que ce soit. C'est ce que tu ressens parfois, mais je ne demande qu'une chose. Juste que tu prennes conscience, que tu réalises certaines vérités qui te concernent toi aussi. J'insiste parce que je t'aime. Et je tiens à ce que tu sois prête. Mais prête pour quoi? Non. Ne réponds rien. Pourrais-tu essayer d'écouter sans m'interrompre? Maman, je viens juste d'arriver. J'ai pas envie d'une conversation prise de tête. Accorde-moi juste quelques instants. Je t'en prie. J'ai prié pour que tu reviennes à la maison et je pense que Dieu m'a exaucé puisqu'il t'a ramené parmi nous. Qu'est-ce que tu dis? Dieu m'a ramené à la maison? Dieu ne m'a pas ramené à la maison, c'était ma volonté. C'est moi qui ai décidé de prendre l'avion. Dieu n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Puisque c'est Dieu qui m'a fait venir pour son anniversaire, pourquoi l'a-t-il laissé s'envoler pour Londres? Peut-être parce que c'est important que nous parlions. C'est n'importe quoi. Il y a une chose dont je suis sûre. C'est Dieu qui est la vraie raison pour laquelle mon père n'est pas là. Chloé. Pour le sac. J'ai demandé de l'aide. Peut-être que je peux le monter là-haut. Ouais, moi aussi.
qu'est-ce que tu regardes? Tu veux me poser des questions? Savoir comment je fais pour conduire? Et où j'achète mes vêtements, hein? Comment j'atteins l'urinoir? Ça veut dire quoi, urinoir? Ça, c'est mon père. Il joue au football. C'est très intéressant. Il passera à la télé demain, mais il faut d'abord qu'on répare son bras abîmé. Ton père fait des matchs qui passent à la télé? Mm-hmm. Quelle équipe? C'est nous, les Jets! Qu'est-ce qu'il a au bras, ton père? Cosmo, c'est mon chien. Il a fait dégringoler papa du hamac. Je vois. Papa a été tellement fâché qu'il a poussé Cosmo dans la piscine. Je t'ai dit de pas embêter les autres passagers. Désolée. Appelez Disco, 3000 sur... Vous êtes accro au jeu, à ce que je vois. Ouais. La petite aura sa com'. Son père, c'est Patrick Carvel. Du pognon, elle en a à revendre. Où tu vas, Chloé? Je sors. Je peux venir avec toi? Rémi, pas maintenant. S'il te plaît. Bon, d'accord. Va chercher tes affaires. Ouah, génial. Centre commercial? Oui, si tu veux. Il y a des super soldes, 80% à GameStop. Tu penses que maman est dingue? Quoi? Non. Non, j'étais juste un peu énervée. Papa dit que le pasteur Bruce lui a lavé la cervelle. Oh, il a dit ça en rigolant. Ah oui? Je pige pas. Moi non plus. Je comprends que tu trouves ça dur. Quoi donc? Voler le jour de ton anniversaire? Bah, il faut bien payer les factures. Chloé va rester quelque temps. Le voyage s'annonce plutôt tranquille. Je vais me dégourdir les jambes et jeter un œil à l'équipage. Je les ai. Oh,
de te rembourser, n'est-ce pas? Il y a quelque chose? Non, non. J'imaginais qu'on aurait nos deux places plus près de la Seine. Oh, café? Papa ne pouvait pas refuser d'aller travailler, tu comprends? Et papa t'a dit que j'assurais au baseball? Alors là, qu'est-ce que tu crois? On n'a fait que parler de toi. Il a dit que tu étais le plus grand joueur de baseball au monde. Et tu sais quoi? Quoi? Il a raison. Je t'aime. Tu m'as manqué, petit frère. Chérie! Ici le commandant. Ici le commandant. Ici, tous les passagers, veuillez regagner votre siège immédiatement. Kilo, Kilo. Ça suffit. Messieurs, retournez à votre place, s'il vous plaît.
Nous subissons une dépressurisation. Regagnez vos sièges et mettez vos masques en oxygène. Reculez. Regagnez votre siège. Oh, c'est terrible. Pancon 257, sommes en situation très critique. Ici Pancon 257, avons une situation d'extrême urgence. Mayday, Mayday, ici le vol Pancon 257, répondez, je vous prie. J'ai réduit la pression pour les obliger à s'asseoir, maintenant c'est réglé. Dans cet avion, tout le monde est mort de peur. Il va vraiment falloir que je puisse compter sur toi. C'est d'accord, Hattie ? Ouais. Il faut que j'aille dire un mot aux passagers. Surveille le poste, ok ? D'accord. Bonjour, je suis le commandant Steele. Je vous demande de rester assis pour le moment et de garder vos ceintures attachées. Mais vous pouvez maintenant ôter vos masques à oxygène. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mes enfants, il faut me les retrouver ! Je sais que vous voulez tous savoir ce qui se passe. C'est aussi mon cas. Et je fais tout ce que je peux pour avoir des infos. Mais pour l'instant, il faut que je fasse mon job pour assurer votre sécurité. Et celle de ceux qui sont plus là ? J'ai dit assis ! Maintenant ! Nous devons éviter toute panique. Elle représente la plus grande des menaces pour cet avion. Je vais demander au personnel de bord de compter les personnes disparues et je vous promets que nous découvrirons ce qui leur est arrivé. Je n'ai encore réussi à joindre personne. J'ignore donc si cet événement n'est survenu que dans notre appareil ou si d'autres avions ont également été touchés, mais je vous promets de vous tenir immédiatement informé dès que je saurai quelque chose. Et c'est tout ? On sait rien, il faut attendre. Rémi ! Kimi a disparu. Rémi, qu'est-ce qui se passe ? Hattie, il faut absolument que tu prennes soin de toi. J'ai besoin que tu me serres pas, serre-moi pas. Hattie, regarde-moi. Tu me regardes ?
Nous sommes des professionnels. Nous devons faire notre boulot. Je suis tout seul aux commandes. Alors il faut que je puisse compter sur toi, d'accord? Oui. Maintenant, écoute-moi. Tu retournes en cabine et tu fais la liste de tous les disparus. Il faut au moins qu'on sache qui ils sont et combien il en manque, d'accord? J'ai peur. Et toi? Moi aussi. Mais là, on n'a pas le temps. Cameron Williams, à bord du vol Pancon 257. Nous sommes quelque part au-dessus de l'Atlantique, en direction de Londres, à environ 3 heures de JFK. Une chose totalement inexplicable, inimaginable, vient de se produire dans cet avion. Madame, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? J'en sais rien. Les enfants... Ils ont disparu. Que faisiez-vous quand c'est arrivé? On était assises. Toutes les deux, on était assises là. J'ai cru que je m'étais endormie et qu'elle était peut-être tombée du siège et qu'elle rampait quelque part. Mais j'ai eu pour chercher, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais rien d'autre. Incroyable que cela puisse paraître. Des gens dans cet avion ont mystérieusement disparu, laissant là leurs vêtements et tous leurs effets personnels. C'est sidérant. Ça va aller. Tout va bien, ça va aller. Non, non. C'est impossible. De quoi vous parlez? Non. Je sais ce qui est arrivé. Vous savez quoi?
aller s'asseoir. Allez, on s'assoit. Et on met la ceinture, d'accord? Vous avez dit que vous savez ce qui est arrivé. Non, il s'est rien passé. Je suis là pour vous aider. D'ailleurs, c'est vrai. Il ne s'est rien passé. Non. Il faut essayer de vous détendre. Voilà. Relax. Surtout, essayez de dormir. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu? J'ai vu la même chose que vous. C'est pas la taille qui compte. C'est bon, c'est bon. Quelque chose d'étrange avant que les gens ne disparaissent. Un flash ou bien un son bizarre? Non. Et le voisin? C'était qui? J'en sais rien, un pauvre type. Aucun détail étrange chez ce pauvre type? J'en sais rien. On a tous des détails étranges en nous. Éloigne ce truc de mon visage. Je t'en prie, décroche, il se passe des choses effrayantes. Rémi, si tu es rentré à la maison et que tu peux m'entendre, écoute bien ce que je vais te dire. Je sais que tu as très peur. Et moi aussi j'ai peur, mais il faut absolument que tu décroches le téléphone. Je veux être sûre que tu es rentré. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je vous aime. Je crois que ce que nous devrions faire maintenant, c'est dire une prière. Une prière? Une prière à qui? À Dieu. Le Dieu de qui? Le tien ou le mien? Dieu est Dieu. Tu veux que je te dise ce que je pense? Non. Votre attention, s'il vous plaît. Comme nous ne sommes pas encore à mi-parcours, je vous ramène à New York. Nous serons à JFK dans un peu plus de 3 heures. Faites le tour. Circulez, pas d'attroupement. On reste écarté, votre cas. Ces disparitions ne vont pas recommencer. Qu'est-ce que c'est? Charlie, 1581. Ici, Pancon 257. Vous me recevez? Charlie, 1581. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Je répète, nous sommes dans une situation... Charlie, 1581. Ici, Pancon 257. Vous me recevez? Charlie, 1581. Vous entrez dans notre couloir aérien. La situation devient dangereuse. Danger, collision. Il vient droit sur nous. Va t'occuper des passagers. Maintenant. Danger, collision. Tous les passagers doivent regagner leur siège et boucler immédiatement leur ceinture.
Charlie 1581, vous êtes dans notre espace aérien. Je m'élève de 300 mètres, c'est-à-dire 300 mètres. Ici Pancon 257. Nous avons été impliqués dans une collision. Charlie 1581 est en perte d'altitude. Voici nos coordonnées. 4, 7. C'est une situation d'extrême urgence. Il y a un avion en perte d'altitude. Il faut lancer les recherches et envoyer des secours. Je répète, c'est une extrême urgence. Répondez, il doit bien y avoir quelqu'un à son poste. Mais qu'est-ce qui vous prend, bon sang? Vous croyez vraiment qu'un groupe de terroristes pourrait développer une arme pareille? On est loin de la ceinture d'explosifs. Si c'est une arme, elle ne vient pas de cette planète. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que peut-être ils ont été enlevés. Des extraterrestres? N'importe quoi. Vous allez croire ce type, vous? Personne n'a été blessé. Dans l'autre avion, il y a aussi des passagers. J'en sais rien. Votre appareil. Il faut prendre une photo de l'aile pour le commandant.
Personnel médical attendu dans les sud. Docteur Brandon, demandez en cardio. Infirmière dans la salle, on vous demande pour le poste 17. Voilà. Voilà ce que j'ai. C'est bien ce que je pensais. À 15 cm près, on perdait notre aile. Et l'aérofrein était arraché. Ce qui veut dire? Qu'il sera un peu plus difficile de ralentir quand on arrivera. Mais à JFK, la piste est assez longue. Et notre dérive est intacte. C'est la journée des bonnes nouvelles. Il n'en reste aucun. Oui, envolez les bébés. Et les enfants aussi. Vous êtes sûre, madame? Je cherche mon petit frère. J'ai entendu des docteurs qui en parlaient entre eux. C'est arrivé ici et ça arrive partout. Partout dans le monde. Il paraît que tous les enfants ont disparu depuis cette horrible catastrophe. Certains de nos ordinateurs ont été endommagés, on dirait. Cameron, je n'ai plus de pilote automatique. Allez voir à l'arrière de l'avion et dites-moi s'il y a une sorte de liquide qui s'échappe de l'aile. Un liquide? Ou du carburant? Je vais prendre un maximum d'altitude. Avec un air plus léger, on épuisera moins les réserves. Nous sommes en train de rentrer, nous serons chez nous dans quelques heures. Non, non, je veux dire là, là où les enfants ont disparu, je dois retrouver mon bébé. Écoutez, on perd du carburant, on était à mi-chemin, on n'aura jamais assez pour rentrer. Quoi? On peut pas rentrer? Nous avons assez de réserves, tout ira bien. Quoi? Il y a le feu? Mon Dieu! Tout le monde regarde. Si on va mourir, on a le droit de le savoir. Personne ne va mourir. On met sa ceinture. Allez, vous tout le monde, écoutez-moi. On met sa ceinture. Personne ne va mourir, c'est compris. Restez assis. Notre commandant a raison. La ceinture, s'il vous plaît. Il y a un vrai problème, mais nous devons tous rester calmes. Votre ceinture, attachez votre ceinture. J'avais deux enfants, monsieur. Gardez espoir. Gardez espoir. Je ne sais pas. Je vous le promets. On va les retrouver. On voit de grosses flammes. Où ça? Sur l'aile, sur la droite. C'est l'aile qui brûle ou la traînée de carburant? La traînée, c'est le carburant. Ça va s'éteindre une fois que tout aura brûlé. Mais si ça brûle, qu'est-ce qui va nous rester? Assez pour rentrer. Ça, ça dépend. Si la fuite se trouve là, ou là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse brûler, et on voit ce qui reste. Thank you.
plus de flammes. Les niveaux n'ont pas changé. Ça veut dire qu'on est vide? Ça veut dire qu'on sait rien. Et j'ai perdu les élévateurs. Les quoi? Les élévateurs. On ne peut plus prendre d'altitude. On a amorcé la descente sur New York avec 2 heures d'avance. C'est l'enfer, on peut joindre personne. Vous avez un téléphone satellite? Journaliste d'investigation. Pilote. Le seul avion qui était dans les parages, c'est celui qui nous a heurtés. Vous avez parlé avec eux? Est-ce qu'ils ont perdu des passagers? En ce qui concerne les passagers, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y avait personne aux commandes de cet appareil. Excusez-moi, j'ai pas arrêté de réfléchir. Et s'ils étaient encore là? Pardon? Ce que je veux dire, c'est... Et s'ils étaient devenus invisibles? C'est possible, ça, qu'ils soient devenus invisibles. Encore un illuminé. Invisible, c'est pas plus dingue que disparu. C'est bien, Kimi. Quoi? Vous étiez proches, toutes les deux? Non, pas vraiment. Ça doit être mon troisième vol avec elle. Va chercher ses affaires. Quelles affaires? C'est pas n'importe quoi. Sa veste, son sac à main. Va chercher tout ça et rapporte tout ici. Maintenant. Oui.
Chapitre 3, verset 16. Appel à tous les passagers. Nous avons un autre appareil dans notre espace aérien. Rejoignez vos places et attachez vos ceintures. Charlie 1581, vous êtes dans notre espace aérien. Je m'élève de 300 mètres, c'est-à-dire 300 mètres. Retourne le sac. Vas-y, vide-le. Dépêche-toi. Mais tu cherches quoi au juste ? Jeudi 19h30, étude de la Bible. Est-ce que c'est moi qui deviens dingue ? Est-ce le monde qui déraille ? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles ? Je crois savoir où ils sont. Et si on n'était pas là où l'on croit qu'on est ou qu'on était ? Soyez précis. Eh bien, nous serions passés dans une ouverture, une fissure dans l'espace-temps métaphysique. Dans ce cas, nous pourrions être dans une dimension où ces personnes n'ont jamais eu de véritable existence. C'est du délire. Arrêtez ! Ça suffit ! Vous êtes tous ridicules ! Je sais ce qui se passe ici. Ah bon ? Combien il vous a payé, vous ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? J'en peux plus de ces tortures, c'est mon enfant ! Vous pouvez exprimer vos sentiments, mais... Arrêtez ! Bougez pas ! D'où vient cette arme ? Toi ! Oui ? Combien il t'a donné, toi ? Mais quoi ? Où est-ce qu'il l'a emmené ? Madame, de qui est-ce que vous parlez ? Je sais très bien ! Madame, de qui est-ce que... Fermez-la ! Mon mari vous a acheté ! Madame, qui est votre mari ? Dites-nous juste ça ! Pourquoi vous vous acharnez ? Madame, écoutez, je vous le jure, je ne connais pas votre mari. Pourquoi vous acceptez tout ça ? Madame, ce qui est arrivé, j'en sais rien. Mais entre nous... Encore un mot et je t'explose la tête. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? D'où te viennent toutes ces idées? T'as jamais parlé de Dieu avant. Excuse-moi, mais qui t'a influencé? C'est... ma femme. Madame, ne faites pas attention à ce qu'il a dit. C'est un idiot. Pas un conspirateur. Pointez cette arme sur moi. C'est moi l'idiot? Pourquoi pas elle, hein? S'il vous plaît, pointez l'arme sur moi. Excellent. C'est beaucoup mieux, oui. Alors, vous pensez qu'il se passe quoi? Il essaye d'enlever ma fille. Il croit qu'il peut tout acheter avec son argent. Je me suis enfuie avec ma fille. Je me suis endormie.
Et quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. J'aurais dû savoir qu'il me retrouverait, j'aurais... Ce n'est rien de tout ça. C'est impossible. Cet appareil a atterri pendant que je dormais. Il a pris ma fille et vous a tous payé pour me mentir. Je peux pas la perdre, c'est impossible. Écoutez-moi maintenant. Moi, je n'ai pas dormi. Je vous assure que cet avion n'a atterri nulle part. Donc personne n'a été en mesure d'en descendre. Alors où est-elle? Sans elle, je... c'est l'horreur, elle est toute ma vie. Il dit déjà que je suis folle, mais là, qu'est-ce que je devrais croire? Qu'elle a juste disparu! Je sais où elle est. Mr. Barnes? Chloé. Oh non. Grâce à Dieu, vous êtes là. Maman et Rémi, j'ose pas y croire. Quand j'ai vu qu'ils étaient partis, j'ai cru que c'était Dieu qui peut-être... C'est lui, Chloé. Comme il l'avait promis, en un battement de cœur. Pardon? C'est ainsi. Alors pourquoi êtes-vous toujours là? Dans la Bible. Mes parents m'ont envoyée dans un camp quand j'étais petite. Et tout le monde ne parlait que de ça. Il était dit qu'un jour, des millions de personnes sur Terre allaient disparaître. Des millions? Il y a autre chose d'écrit. Je ne me souviens pas. C'est enfoui dans mes souvenirs. Diriez-vous que ce serait le diable? Non. C'est l'œuvre de Dieu. Ne me dites pas que vous croyez ça. Peu importe ce que je crois. Où sont-ils? Mais où sont-ils? Au ciel. Mon mari avait raison. Que voulez-vous dire? Peut-être que je suis vraiment folle. Non. Peut-être que ma fille est mieux sans moi. Ne dites pas ça. Non, non! Arrêtez, non! Peut-être que le monde entier tournera mieux si moi je disparais. Je vous en prie, écoutez-moi. Ne faites pas ça. Votre fille ne serait pas d'accord. Vous avez des enfants, Monsieur Williams? Non, je n'en ai pas. Mais j'avais une maman. Elle était souffrante. Mon père a tout tenté, les docteurs, les pilules. Mais au bout du compte, ce fut inutile. En rentrant de l'école un soir... Je l'ai trouvée là, allongée sur le lit, inerte. Ne faites pas ça, Cathy. Nous ne savons pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais Cathy n'est en rien responsable, vous comprenez? Et si elle était là, quelque part, à nous observer? Voilà, c'est bien. Ati, il n'y a pas que nous. C'est plus grand que nous. Il faut regarder la vérité en face. La vérité, Ray? La vérité compte pour toi? Oui. Il ne s'agit pas du passé, mais d'aujourd'hui, du présent. Ce qui se passe dans cet avion, maintenant. Ce qui se passe sur cette planète, en cet instant. Ils sont tous au paradis. C'est ça ta conclusion? Sans avoir parlé à qui que ce soit hors de cet appareil, tu acceptes la première explication qui naît dans ta cervelle? Irène avait annoncé cet apocalypse. En détail, comment est-ce possible? La façon dont ça s'est passé. La façon dont ils ont disparu. Jusqu'à la façon dont les vêtements devaient rester là, dans les moindres détails. Comment pouvait-elle savoir tout ça? Réfléchis.
Il y a tant de choses qui donnent à réfléchir. Tu m'as menti à propos de ta femme. Tu as menti à ta femme à propos de cette mission. Tu as même menti à ta fille. Je sais. Il semble que tu sois capable de mentir à toutes les personnes de ton entourage. Et ensuite, tu me demandes de trouver Dieu. À qui ? Je comprends pas. Vous étiez là tous les jours. Vous avez travaillé, vous avez prêché. Ce n'est pas ce qui comptait. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Les mots, je les connais. Je peux citer les chapitres, les versets, mais il faut croire aussi. Et il faut prier. Prier, oui. Prier et croire. En un Dieu qui a tué mon père, c'est ça ? Un Dieu qui a enlevé ma mère et mon petit frère et qui les a effacés de ce monde. Un Dieu qui a fait tomber les avions et détruit les villes. C'est pour les protéger qu'il les a tous enlevés. Protéger de quoi ? Des ténèbres qui vont bientôt s'abattre sur ce monde. Persécution, guerre, 7 années de malheur. Alors il les a rappelés à lui. Ça veut dire qu'il condamne ceux qui restent. Moi, par exemple. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant ? Ce n'est pas ainsi qu'il faut te poser la question. Demande à être pardonné. Il faut que tu mènes une vie meilleure et tu seras... Assez, ça suffit ! Le Dieu dont ma mère parlait si souvent n'aurait jamais fait une chose pareille. Chloé, je t'en prie. Écoute-moi. Écoutez qui ? Un prêcheur de foi qui n'a jamais cru un traître mot de ce qu'il disait. Vous avez joué au shérif ? Oui. À ne pas laisser traîner. Pancon 257, ici la tour de contrôle. Ici Pancon 257, appelle la tour. Pancon 257, c'est Marcus. Ray, tu es là ? Marcus. Ray, où es-tu ? À 20 minutes de JFK, j'ai dû faire demi-tour. T'as perdu combien de passagers ? Alors c'est partout. Sur toute la planète, Dieu. On n'a pas le compte, mais ça fait des millions. Non, ça peut pas être vrai. Des nouvelles de ma famille ? Je te demande d'appeler Irène pour me rassurer. Et le carburant ? Presque plus rien. J'espère pouvoir atteindre la côte à temps. Il y a des avions crachés partout. Les routes sont encombrées. Il n'y a plus d'espace. Tu ne peux pas atterrir à JFK. Et l'aéroport de LaGuardia ? Désolé, Ray. Je me pose à quel endroit ? Quitte la côte et va dans les terres. Marcus, c'est trop dangereux d'aller dans les terres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ray ? Syracuse est l'aéroport le plus proche. Syracuse, c'est impossible. Il faut que tu interviennes. Il faut me dégager une piste. Marcus ! Marcus ! JFK, ici Pancon 257. Demande une piste de toute urgence. Je suis à court de carburant. Je répète, demande une piste de toute urgence. Je vais être franc avec vous. On n'est pas seulement faible en carburant, on puise dans les émanations. JFK est l'aéroport le plus proche, on aura déjà de la chance de l'atteindre. Il ne reste qu'une seule option, qu'il libère une piste et le plus vite possible. Et se poser sur l'eau ? Je ne peux pas relever le nez. Si nous heurtons l'eau, cet appareil se désintègre. Je ne peux pas laisser ces passagers tomber dans l'abîme sans qu'ils aient une chance de racheter leur péché. Vous êtes Venice Baxter, la fille de Tom ? Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi, mais on s'est rencontrés au bureau de votre père. Vous étiez assise à côté de lui, à sa droite, à ce petit bureau jaune.
Je me suis dit ce jour-là, ce gars-là vit dans un palace décoré avec des objets vraiment magnifiques, mais ce petit bureau en plastique installé juste à côté du sien, on aurait dit que pour lui c'était l'objet le plus précieux qui soit. Pour moi, c'était le seul moyen qu'on soit ensemble. Oui. En tout cas, lui, il a essayé. J'ai une petite fille, moi aussi. Enfin, j'en avais une. Elle est mariée maintenant. Jamais elle n'a eu de bureau chez moi. J'étais toujours trop occupé. Je ne la voyais que rarement. Et vous savez, quand toutes ces personnes ont disparu, je n'ai même pas pensé à elle. J'aimerais pouvoir dire que si, mais je n'ai pensé qu'à ma fortune, aux futures opportunités d'affaires, à mon prochain meeting. Désolé. Je vous ai entendu parler du paradis. Je voudrais revoir ma fille. Lui dire que je l'aime et pourtant, j'espère qu'elle n'est plus là. Essayez de joindre Chloé avec ça. J'ai beaucoup essayé. Pour tout vous dire, je n'ai pas cessé de penser à elle depuis que je suis dans l'avion. C'est un être délicieux. JFK, tour de contrôle. Vous me recevez? Nous volons vers la côte. Notre niveau de fuel est en zone critique. Nécessité d'accéder à une piste en urgence. Je répète, nécessité d'accéder à une piste. Écoutez-moi. J'ai un avion plein de passagers. Je n'ai plus d'aérofrein, plus de volets, plus d'élévateurs. Et si on tombe en panne sèche, plus d'inverseurs de poussée. Dégagez-moi une piste. Jamais dû la laisser aujourd'hui. Vous ne saviez pas? Je savais qu'elle venait pour me voir et je l'ai laissée toute seule. Elle a dû passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous aime, Ray. Elle comprendra. Je ne peux pas laisser cette phrase être la dernière entre nous. Ce jour est le plus triste de ma vie. C'est trop dur, je regrette tant. Je dois lui dire la vérité. Elle doit savoir que ce n'est pas la faute de sa mère, mais la mienne. À chaque fois qu'Irène mentionnait Dieu, je prenais la fuite. Your pain.
pas si là-haut tu m'entends. Parce que je voudrais t'avouer que... Ce matin, j'ai senti que notre famille était sur le point de se briser. Et je t'ai blâmée pour ça. C'était cruel. Et ça t'a blessée. Je m'en veux, tu sais. Je m'en veux tellement. Buck. Merci, Seigneur. Grâce à Dieu, tu es vivant. Où est mon père? Il est juste là. Chloé, est-ce que ça va? Oui, oui, je croyais que tu étais mort. Est-ce que ça va? Oui, je suppose. Mais maman et Rémi, ils sont là-haut. Maman m'avait parlé de cette chose-là. Je sais, elle m'en parlait aussi. Je t'aime tant, tu sais, ma chérie. Sache-le, je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, papa. Moi aussi. Je m'excuse de t'avoir trahi, de ne pas avoir été avec toi aujourd'hui, mais je tiens à te dire que tu as toujours été dans mon cœur. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. Mais papa, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Oh, on est toujours en plein vol. On rentre à la maison, mais il y a un problème. Tous les aéroports sont fermés et les routes impraticables. Aucun endroit pour atterrir. Quoi? Et je n'ai pas assez de fuel. Chloé? Papa? Chloé? Nous approchons de New York. Il reste cependant une dernière épreuve. Tous les aéroports sont fermés. Je vous demande de rester assis, avec vos ceintures attachées, et surtout de rester calme. Mais je me dois d'être honnête. Je dois vous dire que la situation est extrêmement critique. Je suis en contact avec la tour de contrôle. Nous essayons de trouver une zone d'atterrissage. Malheureusement, nous sommes très justes en carburant. Merci d'écouter attentivement les directives de nos hôtesses. Et si vous croyez en la prière, c'est le moment ou jamais. Vous voulez prier avec moi? Oui, bien sûr. Merci, bien sûr. Venez ici. L'avion. Où ça? Sur l'eau. Mais vous avez dit que... Je sais. J'attendrai des nouvelles de JFK le plus longtemps possible, mais je ne peux pas atterrir sans une piste dégagée. Il y a des agglomérations tout autour de l'aéroport. Si je n'ai aucun endroit où me poser, j'envoie un missile de 400 tonnes en plein cœur de New York. Thank you.
demander pour atterrissage d'urgence. Rappelez-la, continuez. Écoutez bien, j'ai besoin de toute votre attention pour l'explication des procédures d'urgence. Sous votre siège, vous trouverez votre gilet de sauvetage. Il est impératif que vous gardiez votre ceinture attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Ensuite, vous devrez suivre les instructions des membres de l'équipage. JFK ici, Pancon 257, il nous faut une piste immédiatement. JFK, tour de contrôle. JFK ici, Pancon 257. Il nous faut une piste maintenant. J'ai foutu, je ne trouverai pas dans le noir. Chloé, sur ton téléphone, tu dois avoir une application boussole. Ok, attends. Ça y est, j'y suis. D'accord, en bas de l'écran, il y a des petits chiffres. Lis-les-moi, s'il te plaît. D'accord. 40.57.38 nord. 73.78.32 ouest. D'accord. Chloé, combien d'espace on a? J'ai fait 800 mètres, mais il y a plus. Combien en plus? Il me faut au moins 1600 mètres. Attends, attends. Toujours là. Il nous faut un visuel pour voir où se trouve le début de notre zone d'atterrissage. Comment allez-vous? Vous permettez que je m'asseye à côté de vous? Juste en attendant que votre mari revienne des toilettes. Carburant. Quoi? Non! On peut toujours atterrir. Je vais tâcher de planer. Mais ça risque d'augmenter l'impact. Je n'ai plus aucun ralentisseur, seulement les freins. Il faut qu'elle nous donne de la distance. Allô? Chloé! Chloé! J'ai récupéré du terrain. Je suis presque à 1500 mètres, mais il y a du gros matériel qui bloque la voie. Chérie, la distance, ça devrait suffire, mais j'ai besoin d'un point de référence lumineux pour voir clairement où se trouve la zone d'atterrissage. D'accord. Je fais clignoter les phares. T'arrives à les voir? Non, nous sommes trop loin pour ça. Il faut quelque chose de plus éblouissant, comme une flamme. Mais c'est trop tard. On n'a plus le temps. Je dois atterrir maintenant. Chloé! Oh,
là-dedans, il doit y avoir des allumettes. La distance n'est pas suffisante. Possible, mais je ne veux pas qu'elle pense que c'était sa faute. Cette fois, on descend. Vous arrivez à avoir un signal? Non. Continuez à chercher. On est à 5000 mètres. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut que je voie où je vais. Je ne vois rien. Chérie, montre-moi. Atterrissage. Hein? Formidable.
Toi aussi. Patty. Vraiment, je suis désolé. Je te crois. Papa. J'aurais dû être avec toi. Avec maman et Rémi, j'aurais jamais dû vous laisser. Tu es là et c'est ça qui compte. J'ai trouvé vos deux alliances. Oh, Seigneur. On est sauvés. La fin du monde. Non, pas encore. J'ai peur que ce ne soit que le commencement. I wish we'd all